Chers amis, bonsoir. Merci de votre patience. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Jean-François Colosimo. Alors Jean-François Colosimo, après un renouvellement l'année dernière, qui vient d'être publié en poche il y a quelques mois maintenant, vous nous invitez cette année à ouvrir les yeux et à croire ce que nous voyons de la religion française. C'est donc avec un plaisir éclairé que nous vous accueillons ce soir pour la publication de ce livre important dans la maison d'édition que vous dirigez. Ce livre est important, il est au croisement de vos nombreuses facettes et de vos nombreux talents, de la théologie à la philosophie, en passant par l'histoire des idées, il est aussi copieusement historique. Et ce livre nous semble tout à fait important et en phase absolument avec l'actualité. Alors, peut-être une petite subtilité par rapport à votre précédent livre, c'est qu'il a aussi un caractère plus littéraire, vous avez des accents plus mélancoliques et plus personnels, notamment à travers ce premier chapitre, dont on va parler brièvement, mais qui n'est pas l'objet, puisque vous faites de votre ville natale une forme de parabole de la religion française, puisqu'elle dessine par sa géographie ou par son histoire, finalement, les contours de l'idée centrale de votre livre, la religion française. Oui, Avignon est un peu comme moi. C'est Avignon est devenue tardivement française, quoi. Enfin, moi, je suis français de naissance, mais mon père ne l'était pas. Et donc, Avignon entre dans la France en 1791, avec la Révolution. Et jusque-là, en fait, Avignon marque une différence fondamentale. L'articulation la plus essentielle de l'histoire de France, et qui fait l'articulation essentielle de ce que je nomme la religion française, qui au passage d'ailleurs n'est pas la religion de la France. Je ne célèbre pas la Meuse en Dormeuse et autres grands textes qui célèbrent le pays. C'est la manière dont la France a vécu le rapport du temporel au spirituel, du religieux au politique, et je crois qu'il y a une exception française complète. Non seulement je le crois, mais j'entends le démontrer dans ce livre. Et Avignon, c'est bien la métaphore de ça, parce que moi je suis né au milieu de remparts, dominé par le palais des papes, alors que de l'autre côté du Rhône, il y avait la tour Philippe le Bel, la tour que le roi de France avait édifiée pour surveiller le pape, qui à cette époque-là était à Avignon. Et donc en fait, je suis né à moi-même, à la France, à travers ce testimonial de Pierre qui raconte que oui, la France a dessiné une vision totalement singulière à travers cette présence du pape face au roi et du roi face au pape, une relation tout à fait singulière entre le ciel et la terre, mais aussi finalement entre les deux glaives, et que cette exception, elle dessine aujourd'hui ce qu'on appelle la laïcité, qui est un mot qui est devenu valise, comme république, nation, la France elle-même d'ailleurs est devenue un mot valise, puisqu'on ne sait plus si la laïcité, elle est ouverte, fermée, intransigeante, tolérante, etc., etc., etc. Mais la laïcité n'est pas née en 1905, pas plus que la France n'est née en 1789. Et le pari de ce livre, c'est que nous sommes les héritiers de 1000 ans de laïcité, au sens large du terme, c'est-à-dire de la manière dont notre pays a voulu créer un espace politique qui soit libre des idolâtries religieuses et libre des captations religieuses, et qu'en même temps, cette histoire, qui est une histoire entre l'Église et l'État, mais cette église, c'est pas n'importe quelle église, c'est l'église de Rome, c'est l'église catholique. Et cet État, c'est pas n'importe quel État, c'est cet État qui naît avec une capet et qui va connaître tout son développement, puisque l'histoire que j'écris est une histoire sans rupture. Il n'y a pas de rupture entre la monarchie et la République de ce point de vue-là, même si après il y a eu des conflits et des combats. Mais c'est autre chose. Mais il n'y a pas de rupture, c'est une histoire unie, de la conquête en fait, par chacun des deux ordres, par le religieux d'un côté, par le politique de l'autre, de son autonomie. La suprématie du politique sur le religieux, c'est une des idées aussi fortes qui ressort de ce livre-là, en tout cas de cette liberté qu'a pu acquérir le pouvoir politique par rapport au pouvoir religieux, qui fait peut-être aussi cette singularité française que vous soulignez. Oui, c'est un fruit de l'histoire. Alors vous savez, au XIXe siècle, il y avait des racines mythologiques de la France, certains y pensent encore. Les républicains aimaient bien penser que la France avait été fondée par un certain Vercingétorix, chef païen, surtout pas chrétien,
qui avait pour lui d'avoir été battu. C'est la France de, qui sort de Sedan, évidemment, hein, qui vénère Vercingétorix, vaincu mais glorieux tout de même. Et puis, les dévots, eux, pensaient que la France était plutôt le résultat de, du baptême d'un certain Clovis, roi barbare, mais converti tout de même. Tu vois. En fait, bon, l'histoire de France, la vie de la France, elle commence avec ce sacre du Capet. Et quel est le paysage de l'Europe alors? Le paysage de l'Europe alors, c'est qu'il y a deux puissances, la papauté et l'Empire, le pape et l'empereur, qui vont avoir beaucoup de débats. Vous connaissez l'expression, n'est-ce pas, aller à Canossa, qui montre d'ailleurs qu'à la fin, le pape l'emporte sur l'empereur. Mais voilà que cette France, qui a la passion de la liberté, elle veut vraiment pas du tout se soumettre à l'empereur, surtout que l'empereur va être de plus en plus germanique, ce qui est quand même une grande définition de notre histoire. Mais elle n'entend pas non plus complètement se soumettre au pape, parce que le pape prétend à ce moment-là, finalement, détenir ses deux glaives, le temporel et le spirituel, et confier le temporel à des princes qui lui doivent tout. Alors la France, elle va inventer une filiation incroyable que l'on voit sur les vitraux des cathédrales, c'est l'arbre de Jessé. On voit qu'il y a le roi David en haut et le Capet en bas, n'est-ce pas, comme s'il était l'héritier des rois d'Israël. Et l'Israël biblique dessine en fait un modèle qui va être le modèle français, qui est celui d'un royaume qui ne doit de compte qu'à Dieu et qui est toujours menacé par les empires environnants. Dans le cas de l'Israël biblique, l'Égypte, Babylone, la Perse. Et la France donc va tailler sa route vers l'indépendance, mais en même temps, dans le respect tout à fait du souverain pontife, le pape de Rome, en lui disant, pour ce qui est du spirituel, et c'est toute la doctrine qui s'élabore et qui éclate sous Philippe le Bel, avec les légistes, pour ce qui est du spirituel, sainteté, vous avez tous les droits. Pour ce qui est du temporel, c'est plutôt notre affaire. Maintenant, il y a un problème, c'est que les décisions que vous prenez dans le spirituel, elles ont quand même un peu d'influence sur le temporel. Alors on ne va pas gêner votre liberté, comme vous n'avez pas gêné la nôtre, mais en revanche, pour ce qui est des conséquences de l'action du spirituel dans le temporel, on va quand même surveiller les conséquences et les contrôler. Et c'est véritablement le début, en fait, de ce qu'on va connaître plus tard et qui va s'appeler la séparation. La séparation est une date qui revient fréquemment dans le livre. C'est cette loi célèbre sur la séparation de l'Église et de l'État, 1905, qui naïvement nous semble être la naissance de la laïcité à la française. Mais vous démontrez... Non, mais c'est une loi, de toute façon, c'est une loi terminale, plutôt. C'est pas une loi très virulente, c'est une loi d'apaisement, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est une loi, elle porte bien son nom, loi de séparation. D'ailleurs, le mot laïcité, il n'y est pas dedans une fois. C'est un règlement de séparation à l'amiable, comme parfois dans les couples, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'essentiel de la loi 1905 porte sur le patrimoine. Qu'est-ce qu'on va faire des édifices religieux construits avant 1905? C'est la grande question. Un peu comme dans les divorces, on dit, tu sais, la théière bleue, elle est à moi et pas à toi. Cette loi... Pour bien la comprendre, elle est l'aboutissement d'un conflit. Alors, d'où vient ce conflit? Revenons à Philippe le Bel, revenons aux Capétiens. Face au reste des rois et des princes d'Europe, qui vont dans un premier temps se soumettre à la papauté, et dans un deuxième temps se rebeller contre la papauté, particulièrement au nord de l'Europe, puisque d'un point de vue politique, bon, la réforme a un génie spirituel, exégétique, mais politiquement, la réforme, c'est la fusion du temporel et du spirituel dans la personne du chef de l'État, qui est en même temps le chef de l'Église. Pensez à Henri VIII. C'est la solution que la réforme apporte au problème. Ni pape, ni empereur, du coup, chaque chef d'État est aussi chef d'Église, ce que ne sera jamais le roi de France. Horreur. Les Français ne sont pas fous. Un chef d'État ne peut pas être un chef d'Église. Ça, c'est bon pour d'autres pays, n'est-ce pas? Mais en même temps, ce que fait la France, c'est qu'elle va... Elle a ce problème de tension avec Rome, et donc, il va se passer... C'est un mot un peu lourd et grossier, mais je vais l'expliquer. Il va se passer une pontificalisation de la monarchie française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que, un, le souverain pontife, le pape, il est autoréférent. C'est lui qui décide. Le roi de France va décider comme le pape décide. Enfin, ce n'est pas dans les mêmes étendues, ce n'est pas sur les mêmes matières.
Mais c'est pour ça que d'ailleurs, le roi de France se traduit de droit divin. Le droit divin, ça voulait dire que nos princes pensaient être des avatars de Vishnu. Ça veut dire que, droit divin, ça veut dire le roi de France ne se soumet à aucune puissance terrestre. Il est à lui-même sa propre source, il rend des comptes qu'à Dieu. C'est ça que ça veut dire le droit divin. Ça ne veut pas dire institué par Dieu. Ça veut dire n'ayant de compte à rendre qu'à Dieu. Donc, comme le pape, il décide. Et il décide ce qu'il veut. Deuxièmement, comme le pape a un clergé, quel clergé ? Un clergé sacré, consacré, les évêques, les prêtres, l'État en France va se doter d'un clergé. Les légistes, les conseillers du roi et très vite les fonctionnaires. Ils sont sur le modèle du clergé précédent. Ils ont une vocation, ils ont une vocation, ils ont une mission, ils sont soumis à des règles, leur tâche est objective, de la même manière que lorsqu'un prêtre célèbre, c'est pas sa qualité qui l'emporte, mais sa fonction. Et ils sont soumis, en fait, au bien commun. Ce sont des serviteurs, serviteurs de l'État. De la même manière qu'il y a des ministres du culte, il va y avoir des ministres du gouvernement. Ça, c'est le deuxième point. Donc, autoréférence. Clergé. Troisième point, le droit canon. Le pape a un droit particulier. C'est le droit canon, c'est le droit de l'Église. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce droit ? C'est que ce n'est pas un droit juridique, ce n'est pas un droit contractuel. Ce n'est pas un droit qu'on décide comme ça. C'est un droit qui est ordonné au salut de tous. L'Église n'émet des règles, n'émet des lois, etc., que parce qu'elle a le but du salut de tous. Et non pas pour réprimer. Bon, le roi de France va avoir son droit canon. C'est ce que détestent chez nous les anglo-saxons. Ça s'appelle le Conseil d'État, ça s'appelle le tribunal administratif, ça s'appelle le droit administratif. C'est-à-dire qu'on va avoir une double juridiction. D'un côté, il y a un droit pour les affaires civiles, mais dès qu'il s'agit d'affaires de l'État, c'est un tribunal d'État qui juge de l'État. C'est ce que résumera merveilleusement Richelieu, ministre du culte et ministre du gouvernement en même temps, en disant quoi ? En disant, en France, lorsque l'État juge des affaires de l'État, l'État ne fait pas de justice, il continue à faire de la politique. Ce qui veut dire aussi que de la même manière que pour l'Église, le droit canon est orienté vers la finalité de l'Église, que l'Église n'est pas là pour servir le droit canon, mais que le droit canon est l'expression de sa finalité, en France, eh bien, le politique va précéder le droit. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être américain, qu'on ne peut pas être anglo-saxon, et qu'on a la difficulté à être européen, parce qu'aujourd'hui, le droit l'emporte sur le politique. C'est le politique qui doit être soumis au droit. Et ça, c'est un idéal qui, dès Philippe le Bel, est consigné dans les textes comme un idéal républicain, res publica, qui est le mode de gouvernement absolu, en fait. Donc, on a tout ça. On a cette absorption des attributs de la papauté, mais dans la finitude temporelle. Le roi de France ne prend pas pour le pape. Il dit, je prends ce qu'il y a de mieux et je l'applique au domaine temporel. L'affaire de 1905, c'est la grande lutte entre les deux clergés, entre le clergé profane et le clergé sacré. C'est une lutte pour savoir lequel de ces deux clergés doit dominer ce qu'on appelle le domaine mixte, qui n'est pas totalement spirituel, qui n'est pas totalement temporel, qui est au milieu. La loi de 1905 est précédée par une vingtaine de lois à partir de 1880, où le parti anticlérical veut chasser l'Église du domaine public. Suppression des crucifix dans les écoles, bannissement des bonnes sœurs qui servent aux messes des officiers. Ces domaines-là, c'est l'éducation, la santé et la charité. Mais cette opération se traduit par des violences, les expulsions des congrégations. Alors là, on est dans un moment de crise intense. Parce que si la France n'est pas que catholique, elle est impensable sans le catholicisme, elle est impensable sans le catholicisme du point de vue de la formation même de son inconscient collectif et de ses modes de fonctionnement politique et juridique, puisque c'est une sorte de décalque du modèle romain. C'est là où la crise atteint, c'est un combat d'ombre,
Puisque les anticléricaux, en fait, de cette époque-là, quand on les regarde, je veux dire, le petit père Combes, le plus virulent des anticléricaux, d'où il sort? Du séminaire. Il a été renvoyé, on a trouvé que sa vocation n'était pas formidable, il a quand même eu le temps de faire ses deux doctorats. Un sur Thomas d'Aquin, l'autre sur Bonaventure. Lorsqu'il arrive devant à la tribune, à l'Assemblée, à la Chambre, à ce moment-là, il s'écosille. Il dit « Je suis un philosophe spiritualiste, je pense que les religions ont apporté tout ce qu'il y a de meilleur à l'humanité. » Et il n'est pas du tout applaudi par les anticléricaux, athées, etc. Et ce qu'il veut, lui, et ce à quoi il pense, c'est qu'en fait, il faut une église d'État. À un moment, l'église a voulu tout à fait, je dirais, mettre l'État sous sa coupe. À un moment, l'État a voulu mettre l'église sous sa coupe. La loi 1905, c'est l'église ne veut plus être l'État et n'entend plus l'être. Et l'État n'entend plus se prendre pour une église. Ce qui a été le cas sous la Troisième République, vous vous souvenez peut-être. C'était assez extraordinaire. La Troisième République a vraiment voulu fonder une religion civile. Il y avait Robespierre qui avait essayé avant avec le culte de l'être suprême. Vous savez que Robespierre croyait dans l'immortalité de l'âme, parce qu'un peuple qui ne croit pas dans l'immortalité de l'âme, pour lui c'était un peuple qui était voué à finir. Robespierre est contre les hébertistes, il est contre les véritables athées de la Révolution. Il pense que l'athéisme, c'est un luxe d'aristocrate dégénéré, du type sage. Il faut de la vertu. Et la vertu ne va pas sans la croyance. Si ce n'est que, bon, il pense qu'il faut changer de croyance, le culte de l'être suprême. La Troisième République n'en est pas arrivée à ses extrémités, du tout. Elle a été, je dirais, dans la facilité paresseuse. Elle s'est dit qu'il fallait supplanter le culte catholique. Ben, elle l'a fait sans grand talent d'imagination. Robespierre est quand même plus créatif, tu vois, l'être suprême. Qu'est-ce que la Première République a fait? Elle a fait un baptême républicain, un mariage républicain, des funérailles républicaines, un catéchisme républicain, et puis elle a créé son clergé, les fameux hussards noirs, les instituteurs de la République, qui ont été envoyés comme missionnaires pour rivaliser avec les frères des écoles chrétiennes en Corrèze, en Bretagne, dans le Nord. Et puis, quand elle s'est voulu se donner un temple et un rituel, ben, elle a pris une église, puis elle en a enlevé les croix, ça s'appelle le Panthéon, n'est-ce pas? Et pour accueillir les hommes illustres, pas encore les femmes, n'allons pas trop vite, quand même, même pour les anticléricaux, il y avait des conceptions anthropologiques qui faisaient obstacle encore à la parfaite égalité, n'est-ce pas? Surtout que les femmes étaient réputées assez pieuses. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, le droit de vote pour les femmes est arrivé aussi tard en France. N'est-ce pas ? Parce qu'on les pensait trop sensibles aux recommandations de vote de leur curé. C'est pour ça, pas d'autre raison. Et donc, qui plus est, manque d'imagination totale. Le jour où, finalement, le Saint-Siège canonise Jeanne d'Arc, qui avait été béatifié, mais qui n'avait jamais été canonisé, un peu pour réparer le fait que le Saint-Siège avait beaucoup regretté la guerre entre la France et l'Allemagne, et n'avait pas tout à fait pris le parti radical de la France, comme pouvaient encourager le Saint-Siège à le faire les prêcheurs dominicains en 1914-1915. On se souvient du fameux cri « Oui, Saint-Père, nous ferons la paix, mais seulement lorsque l'Allemagne sera à genoux. » à Notre-Dame. Donc en fait, le jour où toutes les églises de France ont été pavoisées en l'honneur de Jeanne, la République a fait transférer le cœur embaumé de Gambetta au Panthéon, une relique. Donc c'est pour ça que la religion de la Troisième République ne pouvait pas marcher. Elle était vraiment trop mimétique, et elle faisait un peu trop bricolage quand même paracatholique, complètement en fait. Mais ça a été un affrontement. Mais d'ailleurs, et cette force mimétique explique l'histoire aussi. Bon, donc les catholiques ont souffert. Ils ont souffert les derniers. Avant, d'autres ont souffert. Les protestants. Les catholiques avaient déjà souffert en 1792-93 d'ailleurs.
Les protestants ont souffert. Alors évidemment, aujourd'hui, nous avons une image, elle est juste, d'un protestantisme français très libéral. Mais dans le contexte des guerres de religion, qui sont une grande guerre européenne, les protestants en France ne valent pas mieux, dirais-je, que les catholiques et réciproquement, d'autant plus que beaucoup de princes changent de confession selon les opportunités du moment. Donc on ne veut pas non plus... Le contenu exact religieux des guerres de religion reste à écrire, parce qu'on n'en sait pas trop bien au fond la profondeur. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les protestants perdent parce qu'ils sont minoritaires en France. Mais même lorsqu'ils perdent, dans cette Europe où petit à petit, au nord, les pays protestants chassent tous les catholiques et au sud, tous les pays catholiques chassent les protestants, une Europe qui se divise en deux, n'est-ce pas ? Division dont Mme Merkel parle très bien lorsqu'elle parle des pays du Club Med qui sont feignants et pas économes, comme on l'est dans l'ex-Allemagne de l'Est où elle est issue, c'est-à-dire terre luthérienne. Cette division, il n'y a qu'un pays qui échappe à cette division, c'est la France, qui, une fois les guerres de religion résolues, et résolues comment ? Par les politiques, avec un grand P. Les politiques disent quoi ? Disent plus d'immixtion de la confession dans la vie publique. Au-dessus de tout, il y a l'État. Et c'est la grande règle de la laïcité française. En France, c'est l'État qui fait la loi, ce ne sont pas les religions. Mais la France va être le seul pays où on va essayer un temps, ça ne va pas très bien marcher, il va y avoir la révocation des édits de Nantes par Louis XIV, mais on va essayer pendant un temps de faire vivre protestants et catholiques ensemble. C'est le seul pays d'Europe où on s'efforce de faire ça. L'Allemagne n'existe pas à l'époque. Hein. D'accord. Donc les principautés allemandes, elles pratiquent elles aussi la purification ethnique. Donc, cette France, qui est la seule à ne vouloir se soumettre ni totalement à l'empereur, surtout pas à l'empereur, et ni totalement au pape, c'est aussi la seule qui essaie de faire coexister des chrétiens qui sont prêts à s'étriper ensemble. N'est-ce pas ? Je vous rappelle quand même qu'on a atteint des horreurs, des sommets d'horreur pendant les guerres de religion. Elle essaie. Mais comme elle essaie, qu'est-ce qui se passe ? Comme elle essaie, il lui faut bien trouver une règle. Et cette règle, c'est l'État. Et l'État, il est neutre confessionnellement. Et ça va être la grande affaire de la France. En France, l'État, contrairement à tous les autres pays du monde, ne fait pas de théologie. L'État n'est pas théologien. Il ne se prononce pas sur les affaires théologiques. Il laisse les théologies être, pour autant que ces théologies ne deviennent pas des théologies politiques. C'est ça qui est important. Alors, moi, je suis pour une histoire unitive. Je veux qu'on lise les dragonnades contre les protestants dans les Cévennes, en même temps que la répression des colonnes infernales contre les chouans en Vendée. À chaque fois, l'État, d'une manière totalement cruelle, qui aujourd'hui nous serait parfaitement inacceptable, a voulu, en fait, réduire des foyers de faction et de sédition pour faire en sorte que le critère religieux, aujourd'hui, ce pourrait être notre critère, le critère culturel, ethnique, linguistique, sexuel, pour que des communautés ne se forment pas, qui seraient divisées de la vie nationale. Pour que la vie nationale se déroule sous la forme de quoi ? Ultime emprunt à Rome, sous la forme d'une communion. Et même si nous parcourons avec vous et avec beaucoup de plaisir cette histoire de l'articulation de ce couple entre la religion et le politique, entre le spirituel et le temporel, et nous approchons du sujet puisque le politique semble avoir failli en 1989 avec cette fameuse affaire du voile. Oui, et si vous me permettez, sur Jean-Baptiste, je vais ajouter un truc. Je dis tout le monde a souffert. Les protestants ont souffert, c'est clair. Les catholiques aussi ont le souvenir de leur souffrance. Lors de l'expulsion des congrégations, il y a eu des morts. Pas autant, évidemment, que sous les dragonnades ou sous les colonnes infernales, mais il y a eu des morts. Vous savez, on parle d'Avignon. Pour ceux qui connaissent Avignon, à côté d'Avignon, il y a une petite abbaye de Prémontré, l'abbaye de Frigolet, qui est célèbre parce qu'elle est dans les récits d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, lui, a une histoire sur le père Gaucher qui a inventé un élixir de thym qui permet de vivre plus longtemps. D'ailleurs, les Prémontrés, après la publication d'Alphonse Daudet, se sont mis à faire cette fameuse liqueur dont ils ignoraient tout avant.
Les prémontrés, ce sont des chanoines. C'est vraiment pas... Ce sont des chanoines très ouverts sur le monde. Un lieu accueillant. Il y avait une petite école dans l'abbaye de Frigolet. C'est l'école où Frédéric Mistral a été élève. Et Frédéric Mistral est là, en 1880. Il a vieilli, mais il est là avec ses paysans de quasi-Camargue déjà, qui font face à 2000 hommes de troupes, fantassins et cavaliers, qui sont venus expulser une vingtaine de bons pères. Donc ça a été une violence. Cette violence, elle existe. Tout le monde a... Toutes les confessions historiques en France ont payé leur tribut, un tribut très lourd, à la nation. Dernier point, l'émancipation des Juifs. Quand on fait souvent une page tout à fait lumineuse et linéaire. L'émancipation des Juifs, c'est Louis XVI qui l'a décrété, en 1787, c'est pas la Révolution. Ensuite, la Révolution a endossé le décret de Louis XVI. Mais pendant 2 ans, il y a eu des problèmes parce que les révolutionnaires, particulièrement dans l'Est de la France, où il y avait la majorité des Juifs de France de l'époque, ils n'étaient pas si nombreux, 50 000, parce que les autres avaient été plus ou moins chassés du royaume et avaient trouvé refuge à Avignon, sur les terres du pape. Donc, comme les révolutionnaires commettaient des sortes d'exactions contre les Juifs, la question est arrivée devant l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, pendant 2 ans, on a débattu, il n'y a pas eu de majorité pour voter l'émancipation des Juifs selon l'édit de Louis XVI. La constituante étant arrivée à date de péremption et ne pouvant plus continuer, évidemment les députés ont voulu faire passer tous les dossiers. L'émancipation des Juifs a été votée au titre de l'émancipation de toutes les personnes privées de droits civils, c'est-à-dire dans l'ordre traité par la loi, les bourreaux, les comédiens, les prostituées et les juifs. On connaît la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée, « Désormais, nous ne traiterons plus les juifs en tant que peuple, mais chacun d'entre eux en tant que citoyen. » Ce qui voulait dire, tout à fait dans la bouche de Clermont-Tonnerre, les juifs n'auront plus droit à leurs tribunaux rabbiniques, mais passeront aussi devant le tribunal civil, maintenant qu'ils ont des droits civils. Mais jamais on ne cite la phrase qui suit. Et la phrase qui suit, c'est Clermont-Tonnerre qui dit « Et quant à ceux d'entre eux qui ne seraient pas d'accord, ils n'auront qu'à partir. » C'est de la violence. Violence symbolique de tirer des gens qui sont dans un monde traditionnel, organisé de manière communautaire, autour de leur foi et de leur rite, et de leur dire « Désormais, c'est complet veston, tribunal civil. » Ça marche si peu, ça provoque tellement de réactions que Napoléon doit y revenir. Il réunit, ou plutôt il désigne, 60 notables qu'il réunit à l'Assemblée. Il est boucle à Paris pendant 3 mois. Les types ont tout un questionnaire. Vous le connaissez ce questionnaire? Non? Le questionnaire, c'est le questionnaire Napoléon. C'est un faux questionnaire parce que, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur la réponse attendue. C'est pas matière à option. Considérez-vous, oui ou non, que votre... frère compatriote français qui n'est pas juif est autant votre frère que votre frère de confession juive, israélite, on dit à l'époque. Considérez-vous, oui ou non, que les lois de la Torah doivent céder le pas aux lois de la République? C'est ça le questionnaire Napoléon. C'est une vraie violence. Alors il y a une violence qui se passe sans violence directe, plutôt pour protéger les juifs de France, et les Français, qui sont devenus des Français juifs, des exactions, pour vraiment démontrer cela. Et il y a pire que ça, dans cette violence. Parce que la véritable intégration des juifs, c'est Louis XVIII. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, on va passer aujourd'hui. Mais tout ça est passionnant, parce que ça parle aujourd'hui. C'est bon, on ne parle pas d'hier. Mais Napoléon sent bien que cette intégration des Juifs, et d'abord, des Juifs n'en veulent pas, mais surtout, beaucoup de Français n'en veulent pas. Et donc, il décide d'autorité de donner le signe le plus fort de l'intégration. Et c'est quoi le signe le plus fort de l'intégration? C'est que les Juifs n'ont pas droit au lot. C'est quoi le lot? C'est la loterie de l'époque. C'est-à-dire que les officiers de Napoléon passent dans les villages
On rassemble les hommes et on tire au sort ceux qui vont rejoindre la grande armée. Quand on n'est pas juif, on a un choix possible, c'est de payer quelqu'un pour qu'il parte à votre place. On a un droit de remplacement. Les juifs n'ont pas ce droit. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que leur intégration a pour prix le tribut du sang à la nation. Si ce n'est pas de la violence symbolique, c'est quoi ? Donc, c'est cette histoire-là que je raconte. Encore une fois, je ne dis pas que j'en endosse la violence. Je dis que très souvent aussi, ces situations, comme pendant les guerres de religion, étaient une volonté de limiter une plus grande violence. D'éviter la guerre civile à caractère religieux. Ça a été l'obsession. Et tout ça a valu, et du coup, en 1880, on a créé ce terme, laïcité, au départ c'est l'adjectif laïque. Alors il y a toute une histoire du mot que je raconte. Par exemple, en France, on était très heureux au XVIIIe siècle de n'être pas laïcocéphale. C'est-à-dire de n'être pas comme les Anglais qui avaient mis un homme non consacré à la tête de leur église, n'est-ce pas ? De la même manière que ce mot de... Enfin, c'est plus la complexité française, quoi. Un frère laid au Moyen-Âge, c'est un frère qui est inculte et qui donc travaille au champ pour permettre aux frères, chez les bénédictins et dans les grands monastères cénobitiques, contemplatifs, permettre aux frères qui, eux, ont la science d'étudier et de chanter les psaumes. Et lui, pendant ce temps, il travaille parce qu'il est laïc. C'est ça, un laïc. D'accord ? Donc, dans le clergé, il y a des laïcs. Des laïcs. Mais en même temps, un serviteur de l'État, par exemple, dans l'ordre juridique, est dit un clerc, qui pourtant n'est pas complet. C'est ça, cette histoire. Donc, la laïcité, elle va tellement de soi. D'ailleurs, très vite, tout s'apaise, n'est-ce pas ? Tout s'apaise. Tout s'apaise très vite. Lors, effectivement, la restauration de la cathédrale de Reims, Doumergue, qui est franc-maçon et protestant, juste avant, on a rompu, on a brisé le concordat, ça c'est con, on a rompu les liens diplomatiques avec le Saint-Siège, alors qu'on avait créé la première ambassade près le Saint-Siège, on a restauré les liens avec Rome, finalement la République a lâché sur les congrégations devaient se faire enregistrer, il y a beaucoup de congrégations, et je n'en aurais pas certaines, qui ne sont toujours pas enregistrées auprès de l'État, mais qui ont pignon sur rue. Donc on s'arrange, Doumergue, il est franc-maçon et protestant. Il se rend à la grand-messe qui célèbre la restauration de la cathédrale de Reims détruite par les Allemands. Et à la sortie, qu'est-ce qu'il déclare ? C'est une déclaration officielle du président de la République, d'alors. Il dit « Je suis ici pour démontrer que non seulement l'État en France n'est pas anti-religieux, mais qu'il n'est pas anti-catholique. Je suis ici pour montrer que l'État en France non seulement respecte, mais en quelque sorte vénère son héritage. » C'est la fin de la guerre. La guerre des deux Frances qu'on a connue à partir de l'anticléricalisme, et aussi, il faut le dire en face, du cléricalisme. Parce que si maintenant on veut faire un petit focus quand même sur les raisons de la montée de l'anticléricalisme, en dehors évidemment de l'idéologie de la religion de l'humanité, religion du progrès, il faut dire aussi que l'Église a eu un léger retard en France. Il y a eu des prophètes, comme Lacordaire, du fait qu'il fallait aller vers le peuple, se tourner vers la République. Mais pendant très longtemps aussi, l'Église a fourni une image très conservatrice, très statique, et dans les préfectures, l'évêque trônait à côté du préfet, du châtelain et du patron local. C'est vrai. Après, il y a eu un grand renversement, une prise de conscience, qui, encore une fois, a eu ses prophètes, très tôt. Mais bon, l'Église institution, elle a mis du temps à comprendre que le peuple, c'est-à-dire les laïcs, était l'enjeu du XIXe siècle. Avec l'exode rural, avec l'industrialisation, il y a eu un retard à l'allumage, tout à fait dépassé au moment de Léon XIII,
qui veut le ralliement des catholiques français à la République et qui, véritablement, structure la doctrine sociale. Donc, la réconciliation est faite. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, le Conseil d'État, lorsqu'il apprend, il prend des avis, lorsqu'on sollicite son avis, il prend des édits sur des questions religieuses, il dit on est d'accord, on n'est pas d'accord, selon le principe de laïcité, point final. Le Conseil d'État n'explique pas ce que c'est que la laïcité. Du tout, il a plus. Ça va de soi. En 1989, un ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, pour ne pas le nommer, alors que c'est l'année du bicentenaire de la Révolution, fait face, en fait, à la première affaire médiatisée de voile. L'affaire de Creil, avec deux jeunes filles qui sont voilées, le proviseur qui dit que c'est pas possible. Lionel Jospin, il est ministre, il ne va pas trancher. Il va renvoyer l'affaire sur le Conseil d'État, et le Conseil d'État va se défausser en disant que désormais, ça serait le problème de chaque proviseur de régler ça. Donc on s'est retrouvé avec le degré, le bas clergé de l'éducation nationale, qui, sous les caméras de télé, avec des gens hurlant des deux côtés, devait d'un coup rendre la justice. C'est vrai, c'est un peu comme si Rome avait lâché ses prêtres de campagne. C'est le même effet. Ça ressemble un peu à la drôle de guerre aussi. Lorsque l'état-major a laissé tout le monde se débrouiller sur le terrain en disant « sauf qui peut ». À partir de ce moment-là, on ne sait plus ce que c'est que la laïcité. On commence à faire des commissions. On commence à faire des réunions. On commence à faire des colloques. On commence, etc. La laïcité est complètement distordue. Elle est distordue aussi parce que le paysage religieux français s'est complètement modifié. Il s'est modifié dans les confessions historiques. Le catholicisme a enregistré l'événement énorme de Vatican II et a connu aussi l'afflux du mouvement charismatique. Ce n'est pas tout à fait la même église qu'en 1905. Du tout. Au sens de sa relation au temps. Enfin, pas de sa relation à l'éternité. Le judaïsme français, dans les années 60, a connu l'apport et l'afflux des séfarades venus d'Afrique du Nord. Jusque-là, c'était un judaïsme très ashkénaze. Et donc, il y a une grosse variation aussi sur le sentiment d'identité et de piété. Le protestantisme commence à enregistrer, luthérien-calviniste, l'arrivée de ces néo-christianismes américains, évangéliques, pentecôtistes, qui vont à rebours de leur rapport aux politiques. Parce que les paléo-protestants, si je puis dire, parfois même ils mythologisent le fait que ce serait eux qui auraient inventé la laïcité. Mais les types qui arrivent et qui créent des méga-churches dans les banlieues, du gospel, eux, ils veulent que la religion intervienne dans le politique. Ces inversions. Et puis il y a l'islam qui prend d'un coup une place énorme, une place visible, et qui pose d'un coup beaucoup de questions. Et la première des questions qu'il pose, c'est que jusqu'à maintenant, la France n'avait eu à traiter que de corps religieux qui, malgré tout, avaient en partage la Bible. Pas la même Bible. La Bible des Juifs n'est pas celle des chrétiens. Parmi les chrétiens, celle des catholiques et des protestants n'est pas tout à fait la même, mais malgré tout. Et là, il y a une religion qui, en plus, a un rapport aux politiques et un rapport à la modernité qui est extraordinairement complexe. Ça se conjugue avec les problèmes, évidemment, de l'immigration, de l'intégration, de l'assimilation. Et là, on va voir le système complètement déraillé pour en arriver là où on en est aujourd'hui, comme si on y sera arrivé. À une extrême droite qui, à l'inverse de la laïcité, veut agiter l'idée de guerre civile latente en solidifiant deux blocs, les Français non musulmans d'un côté, les Français musulmans, les musulmans résidant en France de l'autre, et en considérant que la confrontation est inéluctable. C'est un peu curieux, cette extrême droite, elle se dit laïque aujourd'hui, on l'avait connue jadis intégriste ou païenne, n'est-ce pas? Mais pas du tout laïque, ça n'a jamais été un truc de l'extrême droite d'être laïque. On a une extrême gauche, surtout trotskiste, qui veut se réinventer un peuple de substitution, parce qu'ils ont perdu le peuple, ils n'ont jamais vraiment eu d'ailleurs les trotskistes, avec eux, et qui trouve dans les musulmans les nouveaux damnés de la terre. Et donc, qui véritablement exonère
le problème de l'islamisme et promeuvent une image de l'islam qui est celle qu'on retrouve sur les affiches électorales lorsqu'ils présentent des jeunes femmes des banlieues qui sont voilées. Au nom de la différence, avec une cruelle inversion des combats féministes, avec le fait aussi que l'antisémitisme de la tradition, une certaine tradition d'extrême gauche, rencontre l'antisémitisme nouveau des banlieues, et en fait, sans que ces gars-là se rendent compte qu'au prétexte de l'émancipation de l'humanité, en fait, ils reconduisent complètement la mentalité colonialiste de l'indigénat. Parce que dire à une fille « reste voilée, c'est tellement bien », cette indifférence, c'est quand même, je dirais, non seulement un renoncement à l'universalité, mais c'est quand même aussi traiter ces populations comme des populations avec lesquelles on n'a, au fond, rien à faire. Et puis, il y a les partis du gouvernement, ce qui en reste, les maires de droite et de gauche, qui, pour avoir la paix sociale dans des quartiers réellement défavorisés, quartiers à forte population d'immigrés, ont préféré, en fait, la politique du laisser-faire, et souvent aussi pour des raisons électoralistes, ont confié ces quartiers à la gestion d'imams improvisés qui étaient en fait de véritables agents recruteurs de l'islamisme. Alors la question de l'islam n'est pas toute la question de la laïcité, il y a d'autres questions de la laïcité, c'est-à-dire la laïcité rencontre d'autres obstacles, mais celui-là c'est un obstacle qui cristallise un peu tous les débats, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres. Lorsque les évangéliques qui ont rencontré Dieu dans l'instant en décrochant le téléphone qui donne la hotline avec le ciel, veulent qu'on cesse d'enseigner Darwin à l'école, etc., 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 etc. Donc en fait, nous sommes déboussolés. Nous sommes déboussolés parce que cette laïcité, elle est particulièrement la France et que c'est la France qui va mal. Alors on peut accuser les religions, l'islam, les catholiques, les musulmans, etc. Mais la principale défaillance, elle est dans l'État. C'est l'État qui a renoncé à faire son devoir d'État. C'est ça la vérité de la France aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça va si mal. Pourquoi? Parce que cet État, il est pris d'abord dans un contexte européen où la laïcité ne veut rien dire. On est obligé de créer des néologismes en allemand, en anglais pour dire laïcité. On dit laïcismus, sinon on traduit par sécularité, sécularisme. Mais le sécularisme, c'est pas la laïcité. La laïcité, c'est pas une religion, c'est pas un contenu, c'est une disposition pour créer une zone démilitarisée au sein de la vie nationale. Donc c'est une zone vide, comme tous les no man's land, qui résulte d'affrontements. Elle n'a pas de sens, c'est une opération négative, la laïcité. Mais cette laïcité, elle est condamnée à la fois par la Ligue islamique et par le Congrès américain. On arrive au moins à faire l'unité de mondes qui semblaient si peu proches l'un de l'autre, mais qui le sont en fait profondément. La Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a d'ailleurs d'européenne que le nom, puisqu'elle inclut des pays, elle est supracontinentale, elle inclut des pays comme la Russie et la Turquie, dont on sait que ce sont des modèles de distinction entre le religieux et le politique, n'est-ce pas? La France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc beaucoup de gens se disent « Ah, bah, on va se débarrasser de tout ça ». C'est un fardeau lourd que cette laïcité, d'ailleurs, à laquelle on ne comprend rien, dont on ne sait plus rien, qui provoque tellement de débats, soyons comme tout le monde, quoi. Quand on sera grand, on sera des Américains, c'est-à-dire des communautaristes. Mais ça, c'est un abandon cruel, pour deux raisons. La première, c'est un abandon sur la justice. Parce que la justice d'État doit l'égalité à toutes et à tous, dans la continuité territoriale, dans la continuité légale. Donc c'est déjà admettre des ségrégations. Et deuxièmement, ce qui s'est passé de formidable, c'est que dans ce choc terrible entre théologie et politique, en France, en raison de ce détournement de la catholicité qu'a opéré la France dans l'ordre temporel, pour se prémunir aussi en ordre spirituel, ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, il y a eu une catholicisation de tous les corps historiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, comme l'Église que connaissait l'État, c'était l'Église catholique, on a formé ensuite un judaïsme sur le modèle structurel de l'Église catholique,
un protestantisme sur le mode de l'Église, l'État avait besoin d'interlocuteurs, représentants du culte. C'est assez génial d'ailleurs, parce que le grand rabbin de France, en 1900, il disait « Je parle au nom de l'Église israélite ». Il ne voyait pas le terme, vous voyez, c'est un terme qui était tellement convenu qu'il ne voyait pas ça comme... Et donc, on les a catholicisés en quelque sorte, parce que la France, dernier point, et j'en ai fini, a intégré aussi la prétention d'universalité de Rome. C'est-à-dire que la France a voulu avoir une vocation universelle, à la fois dans sa religion et dans son absence de religion, les deux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce choc a libéré, en fait. Bon, l'État a voulu se libérer de la religion, mais il a libéré la religion de l'État aussi. Et du coup, les religions, l'Église catholique la première, parce que c'est d'elle dont on parle toujours dans cette affaire-là, elle a été forcée d'être créative. Parce que c'est facile pour une Église d'avoir le soutien de l'État. Certes, ça prive complètement de la liberté, il n'y a que des avantages. Des prêtres payés, des ordres reçus, de l'argent qui coule à flot, puis les gens qui n'ont pas le choix de leur vie, il faut qu'ils aillent à l'Église, n'est-ce pas? Ou à la mosquée, ou à la synagogue. Et donc, les religions, l'Église catholique la première, elle a endossé aussi ça, et les catholiques français ont été obligés d'avoir une théologie libre, de faire véritablement de la théologie, de la spiritualité, et pas simplement de faire de l'entretien de la sociologie qui leur a été donnée. Et du coup, ils ont catholicisé leur message doublement, puisqu'ils se sont adressés, le catholicisme français s'est adressé aux catholiques du monde entier, a fait du bien aux catholiques, l'expérience française a fait du bien aux catholiques du monde entier. L'expérience du judaïsme français a fait du bien aux juifs du monde entier. L'expérience du protestantisme français a fait du bien aux protestants du monde entier, toutes ces réalités ayant voulu être aussi portées par l'universalité, qui n'était pas simplement l'universalité de leur foi, mais l'universalité de la France. Donc, si aujourd'hui nous renonçons, parce que ça sera un désastre, parce que nous n'avons pas d'autre logiciel, on ne sait pas, on ne peut pas vivre comme les pays anglo-saxons, mais si nous renonçons surtout, ça par exemple par rapport à l'islam, qui encore une fois n'est qu'un exemple, on va rater le coche. On va rater le coche parce que nous ne serons plus dans notre vocation, mais surtout, on va priver nos compatriotes musulmans d'élaborer comme les autres une forme d'islam qui certainement pourrait avoir quelque chose à dire aux musulmans à travers le monde. Et Dieu sait que peut-être aujourd'hui, les autres musulmans à travers le monde ont besoin d'entendre une leçon sur la séparation du religieux et du politique. Donc, en fait, je veux dire, non seulement nous risquons de perdre notre âme, mais nous risquons de le faire sans aucune générosité. Comprendre aujourd'hui à la lecture d'hier, c'est la promesse de la religion française. Merci Jean-François Colosimo. Et Jean-François, nous fait grand plaisir de rester parmi nous pour signer son livre sur la table qui se trouve en haut des marches sur votre droite et partager un verre de l'amitié. Merci Jean-François. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci.